Combien de fois on s'est retrouvé avec un tueur en fin de partie à nous camper ou à nous face camper en nous disant que nous avions Gen Rush. Le Gen Rush, c'est quoi? C'est avoir réparé les moteurs trop rapidement, avoir rushé les moteurs. Eh bien, j'ai réfléchi à une combinaison de compétences destinées à se focaliser sur les moteurs. Nous avons montré ce que vous savez faire, qui fonctionne en tandem ou en trio ou en quatuor sur les moteurs, octroyant aux autres survivants proches un boost de vitesse lorsqu'ils réparent un moteur. Nous avons résistance qui marche plutôt bien mais qui nécessite d'être blessé. Alors vous avez un bonus de 9% lorsque vous réparez des moteurs ou lorsque vous effectuez une action de saut. Avec ça, vous avez voie rapide qui transforme un excellent test d'habilité de réparation sur un moteur en boost de réparation. Ce boost est un consommable. Vous gagnez des jetons lorsque vous avez un collègue, un copain, un ami, bref, un autre survivant qui est suspendu à un crochet. Et enfin, nous avons en planque qui vous fournit un jeton à chaque fois que vous restez caché dans l'aura de terreur du tueur. Chaque jeton vous permet de transformer un test normal d'habilité en excellent test d'habilité. Voie rapide et en planque fonctionnent très bien ensemble. Ok, ok. Nous allons démonter le mythe du Gen Rush. Alors pourquoi je parle de mythe? Je parle de mythe de Gen Rush pour la simple et bonne raison que le Gen Rush, ça n'existe pas. Le Gen Rush, c'est un concept inventé par les tueurs salés. Parce que ça ne peut pas exister, le Gen Rush. Ça ne peut pas exister. Voilà. Ok. Ça ne peut pas exister pour la simple bonne raison que l'objectif, c'est de Gen Rush. L'objectif, c'est de réparer les moteurs. C'est, on parle d'objectif là. Ce n'est pas juste une question de manière de faire, il n'y a pas différentes manières de réparer les moteurs. Non, non. Parle pas de manière de réparer les moteurs. Il y a des manières de faire face à des survivants. Par exemple, en face camp, en camp, différentes manières. On parle de fair play, par exemple. Mais, réparer les générateurs, ce n'est pas une alternative. Il n'y a pas 15 manières, on ne doit pas, on va pas attendre à côté d'un générateur avant de le réparer. L'objectif, c'est de rétablir le courant, l'électricité, de faire en sorte à ce qu'il puisse alimenter les portes de sortie. On ne va pas juste se retrouver à devoir attendre une fois ou deux. Une minute, 30 secondes, 10 minutes pour réparer un moteur. Non, 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 on doit réparer les moteurs. Alors arrêtez avec votre notion de Gen Rush. Le Gen Rush, ça n'existe point. Réparer le générateur, il n'y a pas 15 milliards de manières de réparer un générateur. Il y a une seule manière. Alors bien sûr, j'entends déjà les autres dire, mais dis donc, nous en tant que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Nous en tant que tueurs, on doit être cruel, on doit être méchant, parce qu'on est des tueurs. C'est notre Nindo. Notre manière de faire, notre manière d'être. Oh là, le pneu va pas me sauver là. Hein. Ah si, mon pneu m'a sauvé. Ok. J'ai utilisé le Kage pneu no jutsu là. Ok, pas mal. Hein. La question c'est de savoir s'il va tunnel maintenant. Grosse interrogation. Ok, je laisse faire là-bas. Avancer ce moteur ici. Ok.
Ok, je l'emmène loin. Je l'emmène au vent. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Bon, il est resté par là-bas, évidemment, pour protéger son moteur. Et pourquoi pas? Est-ce qu'il avait le tour joué? Bonne interrogation, bonne question. Bon, évidemment, c'est pas la meilleure chose à faire de rester en coin. Ok. Voilà. On utilise ce qu'on peut avec ce qu'on a. On va donner un petit coup de réparation ici. Voilà, oh, il est... Il est truck bloc. Ok. Quel relou ce zombie. Ces deux moteurs. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Bon, là, c'est un peu complexe hein, pour moi. Il voudrait, il devrait. Hein. Mais j'espère que je vais avoir quelque chose. Il vient vers moi. Ok, presque. Du coup de fouet. Bien, bien. Très bien, parfait. Et il a, j'ai l'impression, le tour est joué. Il a tout intérêt hein, à protéger celui-là de moteur. Il a tout intérêt. Ok, viens, viens. Viens, viens. Ok, il a un réparateur. C'est ok pour moi. Mais non, mais c'est pas vrai ça! Ah, c'est pas vrai. La périphérie. Ah. La périphérie, mon gars. L'attaque circulaire, le fouet monofilament. Ok, donc oui, oui, on disait. Ah, s'il n'y avait pas ce zombie qui nous avait torturé l'esprit. Il faut qu'on se fasse soigner. Est-ce qu'on a un vaccin ou quoi? Non, il n'en reste plus qu'un seul. Il va probablement être utilisé. Ok. Ok, ok. Ce qui serait cool, c'est qu'il vienne me sauver. Bah, il a bien géré le tueur, il l'a gardé. Le beau Ace qui vient me sauver, me secourir. Palin syndrome. Ok. On va donner un coup de base, donc forcément, je suis en statut plutôt blessé. Plutôt endolori, hein, comme on dit. Quoi? Ok, on va aller en face. Bah ouais, bah le petit tunnel. Si ça peut être agréable. Petit tunnel. Oh ya ya ya. Le mouvement de recul du rachetait 15% quoi. Il va revenir ici avec le tour est joué. 9%. Allez, il me faudrait quelqu'un d'autre là. Oh. Vu la distance avec mes 9%. Allez. Ok. Faut que je m'en aille. Ce sont les... 3. Non, non, non. Non, non, mais non, je voulais pas être soigné. Je te remercie, mais... Ça aurait pu être pratique. La vitesse d'ouverture de... De porte. Ouais, je sais, on tousse beaucoup, hein, on tousse beaucoup. Il n'y a plus de vaccins. Que donnent les portes? Les portes sont-elles proches?
Très bonne question. Ok. Il y a une porte par là. Ouais. On va voir ce qu'on peut faire. Pour ma part, je n'ai pas de bro time. Voilà. Allez, faire quelque chose. Ok. Aïe. Quelqu'un pour... Ok. Et là... Ce qui serait beau, c'est qu'on s'en sorte. Un peu complexe. Alors, est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai de quoi me soigner? Oui. Alors, chaque réussite critique va produire... Oh. Gros boost. Est-ce que ça va être suffisant? Le pauvre Ace. Ah, je peux pas y aller si je suis blessé. Non! Je peux pas y aller! De pas grand-chose. Je suis vraiment navré. Ok, ok, ok. Retour au Chain Rush! C'est mieux si on trouve quelqu'un. Oh! On va trouver que des ennuis en fait. Ok, non. C'est reparti pour un tour. Ok. T'as trouvé quelqu'un d'autre. Oh, embêté, est-ce que je peux comprendre hein. C'est un loup pas trop inintéressant là-bas. Et surtout, tu vas perdre du temps avec moi. Ok. Est-ce qu'on a quelqu'un ici? Non. Est-ce qu'il y a la ruine? Non plus. Ah, il est tombé. Sur la Jill. Normalement, un peu de temps gagné devrait nous permettre. Ah, il va encore perdre du temps ici. À moins d'avoir vraiment la chance de me trouver dans un placard. Ah, ça va être un peu compliqué pour lui. Ok. Ouais, ces chases ont été soldés par des échecs, si je puis dire. Ok. On progresse. En espérant qu'il n'y ait pas de zombies. Dans les environs. Ça pourrait nous pourrir notre groove. Hein. Bon, il est retourné sur la Jill. Pourquoi pas. Nous, de notre côté, on utilise des petits jetons de réussite critique. Pour avancer notre générateur. Oh. Et bien sûr, on ne peut pas grâce à sa compétence spécifique. Il l'a couché, hein. Bien joué, hein. Bien joué, bien joué. C'est pas inintéressant. Pas du tout inintéressant ce qu'il a fait. Alors si en plus il a le tour à jouer. Ok. Pas mal. On va descendre, on va pas rester là. Ok. Se faire décrocher là. Oui. Là, il va perdre du temps ici, hein. Il va perdre du temps ici. Ok. Il en a trouvé un là. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, on va retourner en haut. Avec moi, il a perdu du temps, hein. La Jill a été soignée.
Il est revenu à un stade supplémentaire. Est-ce qu'il a utilisé? Ouais, j'ai l'impression... Oh! J'ai l'impression qu'il utilise sa compétence juste avant que... qu'elle s'active. Probablement, ça arrive très rarement dans ce sens-là. Ça arrive très souvent dans l'autre sens. Ok. Normalement, Ichi Barbecue devrait venir ici. Voilà. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Un souci, hein. Est-ce que quelqu'un va venir en aide? Oh, Jeff et moi, on est à l'opposé. On arrive, on va essayer de te soigner le plus vite possible. En espérant, bien sûr, qu'il n'y ait personne dans les environs et qu'il n'y ait pas de camp. Et en espérant aussi que Jill tienne bon. Ce qui est pas sûr sûr, hein. Ok, go. Oh, Jeff, ça aurait été bien si... si t'étais resté dans le coin. On aurait pu poncer. Ok, go. Viens. Ok. Bah non, viens pas du coup. Ok. C'est quoi, c'est la Jill, hein? Ouais, c'est la Jill, j'ai l'impression. Est-ce qu'un moteur a été entamé ici? J'ai l'impression qu'un moteur a été entamé par là. Hein. Oui. C'est bien ça. Allez. On se dépêche. On peut le faire, en vérité. Avec les trois jetons. Et montrer ce que vous savez faire. Ok. Bien, bien, bien. Il va falloir aider la petite Jill. J'espère qu'on s'est pas coincé. Ok, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Quelqu'un pour venir t'aider? On va partir du principe que non, hein. Ok, j'ai bien fait. J'espère que la Meg travaille dur pendant que Jeff s'en prend plein le tentacule. Ok. On va devoir trouver un moteur à deux. Allez, arrête de tousser. Et allons-y, allons-y. Trouvons... Aïe. Ça, c'est moche. Que disent les moteurs? Ok. Et là-bas. Ça me va, hein. Elle l'a vu. Ah, navré. Navré, navré. Viens, viens, viens. Viens, Jeff. Ah, la pauvre. On va essayer d'utiliser les six jetons pour finaliser le moteur sur lequel... Ok. Ce mec se trouve. Aïe, aïe, aïe. Jeff est parti là-bas. Oh, je suis navré, Gilles. Je suis totalement navré. Ok. On a rushé, hein. T'es blessé. Allez, magne. Allez, allez, magne. Allez. Ok. On sait pas si la Noël. Peut-être pas jouer malin. Hein. Ok. Ok. Aïe.